Hey, salut à tous les amis, c'est Leila Parche Pokémon et Jirachi. J'espère que vous avez la forme aujourd'hui parce que nous ça va super. Au top. On se retrouve pour la vidéo de la rencontre abonnée. Donc écoutez, j'ai un peu tardé à la faire, mais bon bah c'est normal, hein, voilà, vous comprenez pourquoi. Avec le stage, etc. Dans le planning. Également aussi. Du coup, la vidéo va se passer en trois parties. Pas deux que j'ai dit à Miss. Il y a la vidéo, enfin il y a la partie de l'ouverture des colis, la partie des présentations du cadeau du sac. Et la troisième partie, c'est nos selfies que j'ai pris, donc une centaine de selfies de cette rencontre. Du coup les amis, on va commencer tout de suite par tous vos lettres, petits cadeaux à déballer. Du coup on a un carton bien rempli, on a un mini swap, trop mimi. On a plein de petites lettres. Il y a des lettres, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Donc voici un petit peu, je pense que vous voyez. Voilà, du coup alors on va tout sortir. On va tout sortir. Et une Pokébox remplie de cadeaux aussi. Bon bah voilà, ça va être une vidéo assez longue quand même. Donc prenez un petit chocolat chaud, mangez devant. Voilà. Ça va être une vidéo sympatoche où du on coup, va parler. Du coup je te propose qu'on en ouvre un chacun. Ouais carrément comme ça. Bah ce sera plus agréable pour tout le monde. Vas-y, écoute, ouvre ce que tu veux. Pour Miss Jirachi et David, les cadeaux. Tiens. Et ça c'est pour Enti. Je crois qu'il a distribué à la mauvaise personne ce courrier. Mais il y a marqué pour Enti. Mais oui. Mais what? Regardez. Mais j'avais même pas vu, sans déconner. Bah je crois qu'en fait peut-être qu'il a cru que t'étais nul. Tu le gars. Bon on verra. On la donnera peut-être à Enti. On va peut-être la donner à Enti. Okay, bon. Ou soit c'est un troll, bon, voilà, c'est pas grave, on commence quand même. Peut-être pour un new... Non, je suis sûr, c'est pour rien du tout, c'est... Le gars, il s'est complètement trompé, il s'est complètement contre abonné, bon. Allez, alors, vas-y, ouvre ta lettre. Ricardo, donc on est parti avec des petites cartes. Oh, sympa. Dont un Whistikram qui a l'air super joli. Oh. Et donc, je lis la lettre pendant que tu montes les cartes. À la limite, coucou mes Jirachi et David, je m'appelle Ricardo et j'ai 11 ans. J'adore vos vidéos, elles sont super top. Vous avez tout le temps de la chance dans vos boosters. J'espère que vous allez continuer sur YouTube, je vous adore. Désolée pour l'état des cartes, c'est des amis qui me les ont données. J'espère qu'elles vous plairont. Vous êtes les meilleurs youtubeurs, Ricardo. Merci beaucoup Ricardo, ça fait super plaisir. Merci beaucoup à toi. Du coup là, on a un cadeau de Alicia. Et pas Malicia, mais Alicia. Alicia. Du coup, c'est un cadeau qui contient plein de cadeaux. Donc, regarde. Wow. Super. Donc du coup, c'est une semaine après qu'on regarde vos cadeaux. On sait pratiquement rien spoiler, mais puisque en fait, tout est resté comme ça. Ouais, bien sûr, c'est des lettres qu'on n'a pas ouvertes. Voilà. Du coup, là il y a un petit coupe-note que je vous ai montré. Ouh là 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 là. Donc là on a pas mal de choses. Hein. On a un Eatran, on a un Chrysacier Reverse de Aquapolis. Oh, on a une belle fausse carte. Et on a une autre Reverse de Aquapolis et quelques énergies. On a un booster Yu-Gi-Oh! Pack étoile 2013. On a un booster Yu-Gi-Oh! Ouais, mais il est scellé en plus. Hein. Alors on a un paquet de code online. Bien. Donc ça sera, je vous le donnerai en mail. On a un gros paquet de code online que je vous donnerai en mail. Ça tu veux en faire quoi? Tu veux le garder scellé ou le... On ouvre. Parce qu'il y en a deux. Est-ce que je peux en ouvrir un? Vas-y. Jamais ouvert de booster Yu-Gi-Oh de ma vie. Du coup on a d'autres cartes, on a un Latios. Oh mais what? On a un autre petit cube, ou soit c'est les cartes que je viens de prendre et que je viens de remettre. Je sais pas ce que j'ai fait. Je sais pas, moi pour ma part, je découvre pour la première fois des cartes. Ah d'accord. Il y a trois cartes dans le booster. Oui c'est normal, ce sont des ultra rares. C'est des packs étoiles 2013. J'en sais rien mais c'est peut-être ultra rare ces boosters. Je connais ça. Kagetokage. Ah c'est en français hein. Bah oui c'est en français. Ensuite, Génosaur. Ok, très bien. Et les... Ah bon, regarde, ça brille. Ah, t'as de la chance. Ah, je crois que j'ai une carte rare. Ah non, en fait, non. C'est une carte... Ah mince. Il y a une fois une carte par chaque booster, du coup, okay. On vous montre, voilà. Je vous montre la carte qui brille, donc c'est dommage, on n'a pas forcément tous les noms. Donc là, c'est Alicia, mais des fois, on n'avait pas les noms sur les cadeaux, etc. Ouais, donc ça avait un petit peu mélangé. Mais cool, moi, j'aime trop. Du coup, David Lafarge Pokémon et Miss, ça faisait partie du même cadeau, tiens. Ouais. Et on a un truc pour... Bon, il y a un petit plouf, c'est bon, ça doit être pour petit plouf. Enfin, qui est petit plouf, on ne sait pas. Du coup, c'est parti. Allez, on est parti. Je pense que c'est des cartes. Donc également, je tiens à faire une petite parenthèse. Pourquoi on fait tout ça? C'est pour honorer les personnes qui nous ont offert des cadeaux. Bah, c'est pour les remercier. Ouais, pour les remercier, quoi. Je pense qu'elles voudraient savoir notre réaction par rapport aux cadeaux, sachant qu'on n'a pas pu les ouvrir directement. Et c'est un autre booster Yu-Gi-Oh! Allez, c'est parti. Il est ouvert, celui-là, il est ouvert. D'accord, regardez. Bon, pourquoi pas. Bon, je sais pas si c'est rare, faut que tu me dises. Alors. Ah, il y a le golem Gomogomogogo. Je suis là aussi. Le numéro 17, Dragon Léviathan. Alors, moi, j'ai... Il y a Dragon Léviathan et Terror Beat. ces deux cartes-là, je les ai en vrai, c'est-à-dire que c'est deux secrets. C'est des fausses. Non, mais j'ai les deux secrets. J'ai même la ghost de cette carte, ceux qui collectionnent. Donc voilà, et il y avait un cadeau avec petit plouf dessus.
Donc. Ok. Bon bah ça fait un peu de boost sur Yu-Gi-Oh, voilà, tous ceux qui voulaient que j'en refasse, bon voilà, il y en a un petit peu dans la même truc. On commence à ouvrir un autre paquet. Tu commences? Ouais. D'accord. Alors. Donc là j'ouvre un paquet pour David et Miss et qui a été collé avec du. Oh. Tombé. Oh, il y a un pince qui a sauté. Je reviens. Oh, oh non. Non. C'est des bonbons à la tomate, je crois. Ah non, c'est des bonbons. What? À la fraise. À la fraise. Ouais, c'est des bonbons voilà. À la griotte. Je sais pas ce que c'est. Je ne connais pas marqué, ce fruit, les amis. C'est marqué dessus litchi. Ah bah oui, bah beau, faut apprendre à lire, beau. goûte, mon amour. Et puis, je sais pas, moi, si j'aime le litchi, je suis pas sûre. Si, le litchi, c'est trop bon. Alors, je viens d'ouvrir un petit courrier. Et pour l'instant, j'ai des espèces de petites... C'est super bon, beau. J'ai des espèces de petits jetons. Vous savez, vous connaissez un petit peu les jetons Pokémon. Qu'est-ce que tu fais, beau? Regarde les autres cadeaux. Ensuite, oh regarde beau, c'est sympa ça. Oh. C'est un. Ah je crois que c'est un. C'est un Lego. Tu sais là, le truc que je t'ai fait monter avec le Florizarre. Ah c'est ça. C'est peut-être le Pikachu ça. Bon, vous nous direz si c'est ça, mais je pense que c'est ça. En tout cas, c'est possible. Alors, on a encore plein de choses dans ce courrier. Ça va ton bonbon, hein, tranquille. Ok, alors pour ce courrier, j'ai tout pris. Alors, une lettre. Coucou Miss et David, je vous adore, donc je vous donne des petites choses. Le booster est pour Miss, le Pikachu pour vous. Désolé pour les fautes de Victoria. Et attention, pour les bonbons, ils datent de 2000. Non. Non, t'es sérieuse? Je te jure, il y a écrit ça tout en bas là. Les bonbons datent de 2000, attention. Mais pourquoi? Mais pourquoi? C'est pour ça qu'il n'était pas super bon. Mais non, mais c'est des trucs ouais. Japonais, en plus je peux mourir. Ah non, mais bon, je crois que c'est pas la même chose, moi c'est celui-là. Ouf. Comment ça me faire des frais? Oui, dans la même alors lieu, ça, pas compris. Ça j'en ai eu dans mes boosters que je vais voir sur ma chaîne. J'ai goûté un bonbon, je me sentais vraiment pas bien. Mais vraiment, faut surtout pas manger. Les amis, si vous ouvrez des bonbons déconne ça, faut pas les manger. Donc là on est lettre pour David LP. D'accord, donc moi je présente un peu. Donc il y a plein de petits jetons, je vais peut-être pas tous vous les montrer. Mais il y en a plein okay. Qui sont vraiment on sympas. On a un mot pour David LP, j'adore tes vidéos. Et je te trouve cool, ok. Bah merci beaucoup, ça fait super plaisir. Alors, ça, mais ça, c'est il n'y a David pas d'expéditeur. Ça c'est pour Miss Beau. Ok. Pour David et pour Miss de Victoria. Waouh. Donc de déjà, Victoria il y a le petit bonbon, hein, les amis. On voilà. Prends le pas, prends on le mangera pas. Pas. Donc il y a un booster échantillon vigueur spectral. Ah, il a dit le booster était pour moi. Tiens. Elle a dit ça dans la lettre. Tiens, bah prends le bébé, prends le bébé. Oui, j'ai gagné un booster échantillon. Ah ok. Mais attends, mais c'est un truc de ensuite, malade. Ensuite, il y a des belles cartes du Block X pour ma part et pour la tienne aussi, j'imagine. Oh là là. Et oh non. Oh, oh non. Elle est sérieuse. Oh non. Oh non. Oh. Alors, est-ce que c'est suite à ma vidéo oh. Coffre des dragons? Je suis non, pas sûre, mais... Fait, tu l'as fait après, la coffre des dragons? Bah non, je suis pas sûre, je crois que je l'ai ah fait ouais. Juste avant. Donc moi, je montre ce que j'ai eu un Magirep ah niveau X. Bah moi, j'ai eu Curem secrète de coffre des oh, dragons, c'est donc c'est la carte qui me manquait pour finir ma collection de coffres donc des dragons. Donc là, j'ai une holo et une rare de XY qui est noir et blanc, et là, j'ai eu du très très lourd, j'ai eu du très très lourd, les amis. J'ai eu, franchement, c'est un truc de fou. Une holographique de Hexagon Crystal. Ouais, moi j'ai des rares de et de, plein de du rares, plein de rares du Block X également pour ma part. Plein de cartes. Et une belle un Zarbi le Wizard. Un Hyporoi holographique. Enfin oh. Vraiment que des magnifiques cartes, oh, des rares, des reverse. C'est vraiment au top. Vraiment, oh, t'es c'est adorable, bien. Victoria. Merci beaucoup. Donc c'est, là apparemment. C'est trop gentil. Et le Curem. Attention. Apparemment, ah il y a encore ça. J'ai ça moi. Non, pour David. Oui mais c'est des petits trucs un peu random qui viennent d'un peu tout le monde. Tu veux l'ouvrir Bo? Non, vas-y. Bah, où... bah c'est pour David. Pour Miss et David, tiens. Bon bah j'ouvre le pour Miss. Voilà. Donc apparemment c'est un sandwich. Hein. J'avoue, ça fait trop penser à de la bouffe. Alors. Ah bon, faut faire... Attends, t'es sûr que c'est pas à manger? D'accord, alors dans le premier gros sopalin. Je crois que c'est à manger. Il y avait ça. Je crois que c'est à manger Bo. Hein. T'imagines? Une semaine après. Donc là ça devrait être des stacks. Le truc il a dépéri. Allez, on est parti. What? Bon regarde, même quand j'enlève le plastique, il y a encore un plastique. Donc là on a eu des billes Pokémon. Oh c'est vraiment magnifique, ça va wow saluer ma collection de goodies. Oh, beau. Oh, beau. Il s'agit incroyable. Oh il est scellé. Waouh. Mais on est trop gâtés. Et une autre petite bille Pokémon. Alors je vous montre tout d'abord, il y a un booster glaciation plasma illustration Deoxys. Donc scellé. Truc de fou et il y a des cartes. Alors on commence bien sûr avec le Dracolos, un promo vraiment sublime et après plein de belles cartes, donc des cartes de suite Dodrio de Wizard. Ouais. Donc je vais vous montrer un petit peu tout, donc le Dracolos, voici les différentes cartes. Moi ce que je te propose de faire c'est qu'on ouvre le booster de glaciation. Tu veux? Ouais, je te propose qu'on l'ouvre. Et bah écoute, vas-y on l'ouvre. Allez, parce que bah écoutez, je pense que s'il serait fait pour ouvrir si c'est un cadeau.
Oui, c'est vrai. Voilà, bon, mais écoutez, je vais éviter de me spoiler, je vais faire comme ça, parce que peut-être qu'il y a une carte qui dépend, tu veux le faire? Non, c'est bon. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Donc, attention. Le code online. La session code online, 1, 2, 3, 1, 2. Et on est parti avec un férosinge. Férosinge, Evoli. Ok. Evoli. Sort bébé. Sort bébé. Hippotrampe. Arco. Gelé. Est-ce qu'il y a un truc? Récupération. Neuf. Et Tourval de suie. Et... Ah, attends, rare. Ok, très bien. Merci, Lara. Mais écoutez, super cool. Ça fait plaisir. Ça fait super plaisir. Un booster, ça fait vraiment plaisir. Enfin, ils s'en foutent, les offres des boosters. Oui, là, ils c'est sont fou. Malades. Ah, là. Alors, ensuite... Là, on a une lettre cross-console aussi. Moi aussi, on a la même lettre. Ah, alors... Bonjour David et Miss, je suis très heureux de vous parler. Je vous suis depuis très très longtemps, en sachant que j'étais libre. Pour cette rencontre, j'étais aux anges. Pour la peine, quelques petits cadeaux. Un mot ainsi... Un mot ami Lucas qui n'a pas pu venir. Bonjour. Désolé, je ne pouvais pas pouvoir venir. Et bonne continuation. Il y a des dessins à l'intérieur, Maël et Lucas. Bah écoutez Lucas, Lucas, c'est pas grave. Hein. On ne t'en veut pas, on nous comprend. Et puis il y aura d'autres rencontres abonnées. Donc voilà. Donc, on a un Jirachi et on a un Deoxys. Magnifique. Ah, le Jirachi, il est trop beau. Deoxys, il est soi bien. C'est le Jirachi le plus beau. Il a fait un Deoxys que avec les formes. Alors, moi, je suis en train d'ouvrir un courrier où déjà, il y a un petit jeton de Grand Rex. Tu l'as pas, ça. Qui date beaucoup, donc c'est cool parce que je ne pense pas l'avoir en plus. Et une petite lettre. Salut, Miss et David, je vous adore. Alors, pour la rencontre abonnée numéro 3, j'ai décidé de vous offrir ma première lettre. Je m'appelle Amir, j'ai 10 ans, je suis toutes vos vidéos. J'aime les réactions de David quand il a une bonne carte, j'adore les courriers d'abo et les vidéos spéciales de David. Je vous ai offert des cartes, la Lugia Noctalie est à David et les deux Dracolos à Miss et le Togekiss et le Pharaon est pour vous deux. Je vous ai fait des dessins que j'offre à Miss et j'offre à Miss un jeton. Merci, ne faites pas attention à un faux d'orthographe, merci pour vos vidéos, grâce à vous j'adore Pokémon, PS des codes pour les abonnés. Et donc il y a des dessins. Donc je vous les montre, les voici, les voilà, ta-da-da-dam. Donc c'est des dessins de Arceus, Darkrai, Rayquaza, Deoxys, Ectoplasma, Jirachi, Dracolos, Procellum, Dracofeu. Alors il y a écrit top 3 YouTube, je crois que c'est ça. Alors top 3 YouTubeurs, Sifano, David Lafarge, Quizzy en gars, et en fille, Miss Jirachi, Xpikami, Miss Bigger. C'est Miss Bigger 45, c'est la copine de Mr. B-Boy, c'est ça. C'est la copine de Mr. B-Boy, ouais. C'est ça. Et coup, il m'a quand même mis devant Squeezie, hein, Squeezie, hein. Donc là j'ouvre un colis pour Miss Jirachi et David Lafarge de la part de Elodyssée. Moi, bah, coucou Elodie. Et bah moi avec cette petite lettre il nous a aussi offert des cartes, des codes online. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Donc il y a des cartes holographiques, il y a beaucoup de cartes. On peut pas vous montrer tout en détail, mais il y a des belles holos, de très belles holos. Ouh, un beau Noctalie, un Lugia. Alors là c'est vraiment sympa, mais je pense qu'il y a quelque chose... Ouh, deux dracons. On a un dessin de Pikachu et Pikachu qui se bagarre. On a un dessin de Rondoudouille. Pikachu et Pikachu. Ah oui, derrière, regarde. Et je pense qu'on a un dessin pour Madame ah B. Ah oui, c'est ça que j'avais vu, ok. Je pense qu'on a un dessin pour Madame B de Posipi et Negapi. Voilà. Voilà, je pense que c'est pour toi, vraiment. Là, j'ai un petit livret des règles de Diamant et Perle, Merveille Secrète. Ah, il est stylé. Donc ça, c'est toujours le même cadeau, hein. Moi, lettre. Je le mets depuis tout à l'heure. Oh, regardez, c'est magnifique. Oh, c'est trop bien écrit. C'est mignon. C'est mignon. Du coup, salut les amoureux. Je suis trop content de vous revoir une deuxième fois. Cette fois, je vous offre plein de choses, comme par exemple des dessins. Je trouve que je dessine mal. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, je vous adore. Vous êtes mes youtubeurs préférés. Continuez comme ça. Vous êtes génial. J'espère qu'on se reverra vite. Ça serait super. Un autre meet-up. Voilà. Bonne continuation à vous deux. Bye. Désolé pour les fautes d'orthographe de la part de Elodie. Non, mais franchement, ça c'est vraiment... Merci beaucoup Elodie. Oui, elle était déjà venue à l'autre meet-up, je m'en rappelle. Et elle est vraiment très très sympa. Donc merci beaucoup. Alors, j'en profite pour faire une petite tournée de code online. En plus, c'est des codes online de Pokébox, donc je pense que vous verrez, à mon avis. Bon, ça c'est à l'envers, donc ça c'est pour les ceux qui veulent vraiment des codes online. Vous lirez à l'envers, écoutez. Alors là, on a un David et un Elodie. Waouh, attention. Attention, c'est en 3D. On a deux petits Pikachu imprimés. Là, il y a une lettre pour toi, Beau, donc je te la laisse, tu l'ouvriras toi-même. D'accord, là, on a encore pas mal de choses, apparemment. Oh là là. Ok. Donc on a plein de petits zigouigouis d'élastique. Oh, il y a un Pikachu en élastique comme ça. Trop mignon. Super mignon. C'est vraiment mimi. Alors il y a une petite caisse comme ça, mais je vais commencer à l'ouvrir. Et dedans il y a des figurines. Oh. De belles figurines. Ça c'est un petit jouet Pikachu. De belles cartes. Ah, on a des cartes Pokémon, on a des Metal Tag. Stylé. Tu vas pouvoir pour compléter ta collection. Ouais. Oh,
Oui, il y a Deoxys. Oh mon dieu. Oui, il y a Deoxys. Tu l'as vu? Oui, j'ai vu Deoxys. Alors, on a ça, d'accord. Oh, il est trop beau. Oh, je l'avais pas dans ma collection. Ah, il est content, c'est bon. Bon, on en a plein d'autres, mais c'est celui-là. C'est vraiment magnifique, hein. Waouh, je connaissais pas celui-là. Oh. Donc moi, pour ma part, je vous montre un petit peu. Donc dans ce cadeau-là, ce petit carton, il y a, vous savez, des Crax. Voici. Du coup, là, on a un petit paquet de cartes emballées. Voilà. Ça fait beaucoup de cadeaux, les amis. On va essayer de ne pas faire très long. On essaie de tout montrer, mais ça va être voilà, assez difficile. C'est pour ça qu'on fait tous les deux en même temps. Donc un petit Crax, Stax, Black, wow, tout ce que wow, vous voulez. Wow. Mais des petites cartes. Mais c'est abusé. Ouh, de belles cartes. Alors là, les amis, c'est un paquet d'holo et que de reverse. Tout est full holo reverse. Yeah. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Faut pas nous donner toutes alors, vos moi, cartes. Alors moi, j'ouvre un paquet qui s'appelle de belles cartes. Donc, il y a normalement de belles cartes. Et en effet, il y a des belles holographiques et des... Des tops. Des tops brillants même. Donc, je vais vous montrer ça. Donc voici les cartes, il y a des holographiques, ouh il y a un Tauros un Tauros holo de Exam Crystal. Absolument, un beau Tyrannosif aussi. Donc là j'ouvre une lettre qui m'était destinée. D'accord, et des cartes tops, voilà. Donc vous connaissez sûrement, donc ça c'est vachement cool, oui c'est moi qui te l'ai mis tout à l'heure. Nice. Donc on a un paquet de cartes et un petit mot, je vais d'abord lire le mot. Ah, bon, il y a David, tu la compléteras, donc ça c'est pour toi. Bon. Ok, nice. Alors, on a... Pour David, tu fais de très bonnes vidéos et de très bonnes ouvertures et bonne continuation. Jimmy, désolé pour l'écriture, c'est pas grave Jimmy. Merci pour ton dessin de Deoxys. Un petit cadeau de Jimmy qui m'a offert également des cartes avec un bracelet. Donc... Moi je présente les différentes choses présentes dans le petit colis. Oh, notre coco. J'avais pas ce jeton là, moi je suis contente. Donc quelques cartes tops parce que j'adore les tops comme vous le savez et plein de petites cartes comme ça. Ça va vraiment plaisir. Alors, une autre tournée de Code Online. C'est parti, mon kiki. Alors, David, tu complèteras. Ok. Ah, il reste un petit jeton. C'est un jeton de craque. Qui m'a offert ça? C'est abusé. C'est quoi? Ah, voilà. Bah, c'est bah, le gars de la boîte. Oh. Mais il n'y a pas de nom, par contre. Oh. Voilà. Donc, je ne pourrais pas te dire. Oh là là, mais j'avais pas cette carte. Oh. Il est content. Il a l'air très content. Ah, j'ai une carte de Skyridge, mais là... Oh, voilà. Oh. Donc, on a quand même un Pharampe Obscur holographique de Néo. On a un Alakazamou Obscur édition 1 du set de base. On a plein de petites cartes du set de base. Comme ça, tac, 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 tac. Et attention, on a quand même de beaux Arbis de Néo que je n'avais pas. Les Arbis les plus rares. Et on a deux Arbis édition 1, il me semble. Donc, de Néo Discovery. Et ça, c'est vraiment... ultra rare parce que l'édition 1 de Néo c'est introuvable. Et beau. Oui. Là j'ai pris une Pokébox et en fait dans la Pokébox il y a plein de paquets de cartes. Il y a écrit carte 2010, carte 2007, 2009, 2008, 2004, 1980. Lui il prend le paquet 2004, 1999 et donc 2008. Un petit mot donc qu'on va lire pendant que tu ouvres le paquet de cartes. Ok. Alors, coucou Monsieur David, j'étais très content de vous voir à la rencontre abonnée, j'espère vous revoir un jour. Vos vidéos sont géniales et continuez. Donc là, il a fait Elodie avec des lettres de Pokémon ainsi que David. Ah oui, j'allais oublier, c'est moi qui ai le Dracaufeu Holo Espèce Delta, je peux t'échanger si ça t'intéresse. Peux-tu l'ouvrir en vidéo, Sacha? Eh bien, merci beaucoup à toi, Sacha. Et David découvre tout de suite alors, tes cartes. Alors, on a plein de cartes de Ex Emerald, de Ex Ayant oublié, que des cartes du bloc Ex et une énergie 7 de base, c'est... C'est fou. Et moi j'ai des cartes de suie. Voilà. Donc ensuite, il y a tout ça. Carte hein. 2010. Ouh, 2010, t'as ouvert beaucoup de cartes. Donc là, il y a des jetons. Ah, mais pourquoi je le mettre là-dedans? Des beaux jetons de Zoroark. Deux jetons de Zoroark. Alors grâce à vous, on complète la... Ah ouais, les jetons, mais... Les jetons, c'est un truc de dingue. Alors moi, j'ouvre les 2007. Parce que 2007, on n'est pas encore arrivé au bloc X, je crois. Ah, quoi que... au bloc noir et blanc. Ok, donc là, on a tout Earth Gold Soul Silver, j'ai l'impression. C'est un truc de malade mental. Bobo, regarde ce que j'ai. Waouh. J'ai des cartes du Black Ex. Donc là, on a full Ergol Sun Silver. Wow. On a plein d'Ergol Sun Silver, c'est fou. Donc il y a beaucoup d'énergie et quelques petites cartes du Black Ex. Donc que je vais m'empresser de vous montrer. Donc voici, voilà, voilos. Voici les différentes cartes et donc beaucoup d'énergie juste là. En tout cas c'est vachement cool, il y a des cartes mais vraiment super belles. Ça fait plaisir. Il y a 2009 et 2008 qu'il reste mon amour. Ah, ouais ah oui, ou 2009, c'est celui avec le plus de scotch.
Merde, faut pas que je mette là-dedans. Allez, chaque fois je fais la remarque, donc c'est ça le pire. Donc les amis, écoutez, ceux qui veulent voir que les selfies passent à la fin de la vidéo, hein, c'est... Tu mettras le... Voilà, je mettrai la numérotation. Voilà, et donc voici les cartes. Alors je vais peut-être regarder avant. Donc de 2008, je crois, c'est ça, 2009 2008. Donc c'est des cartes de Éveil des Légendes et tout ça, c'est vraiment des magnifiques séries. Moi j'adore le Black Jamaica personnellement. Donc voici les cartes. Là le scotch. C'est pour ça que je te l'ai donné, moi je le sentais mal. Là le scotch, ok, ça va pas le faire. Waouh. On a beaucoup de platine et quelques séries de diamants et perles. Wow, ok, pas mal. Il y a 20 cartes que je n'ai pas, parce que diamants et perles, je n'ai très peu ouvert de booster de ma vie et de sur ma chaîne. Et nous arrivons au mini swap. Donc là, c'est un mini swap, ouais. D'accord. Ah, c'est un swap, mais tout petit, quoi. Oui, un miniature. Tout chou, quoi. Donc, là, on a. Au hasard ? Oui, on fait au hasard, non ? D'accord. Attends, je vais sortir tout le monde. Vous deux. Ouais, c'est... Ok, bon, il y a plein de petits dessins à l'intérieur. Et est-ce que tu as un nom ou pas d'ailleurs? Non. Pas de nom. Je vais essayer de voir, mais... Oh, on commence. Alors, j'adore, moi, les pixels art. On a un dessin d'ectoplasma. Pokéball. Bon, regarde la Pokéball comme elle est jolie. Oui. Petite Pokéball en pixel art. Alors, Miss Jirachi fragile. Ah. Mini Draco. Wow. Et Tilton. Bon, on avait plein de petits dessins sympathiques. Attention, c'est fragile. Je fais attention. Oh, elle est trop belle. Attendez, wow. je l'ouvre tranquillement. Voilà, super. Et ben regardez-moi ça, il s'agit d'un mini Draco, donc avec un socle de toutes les couleurs, il est juste trop beau. Waouh. What, ça quoi? C'est un filmo, tu sais les trucs filmo, la pâte filmo là. Ah, génial. C'est la pâte filmo. On a un cupcake, on a un champignon, je sais pas comment dire, et un petit gâteau, et bien sûr, un truc chelou. Voilà. Un truc chelou. Donc je vais mettre ça là. Ensuite, Beau. Tout est là. Ah. C'est encore le swap. Tiens. Ok. Donc là, il est marqué David et l'ami Jirachi. Tiens. Ah. Bon. Voici. Alors, c'est parti. On découvre nos petits cadeaux. En plus, ils sont emballés et tout ça. C'est vraiment super cool. Alors moi, j'ai quoi? J'ai Flamenco. J'ai Flamenco qui commence à devenir vraiment célèbre. On verra. Et moi, j'ai des petites cartes coréennes. Donc des holos de la Shiny Collection. Coréenne. Des cartes et des codes. Des cartes et des codes. Ok. C'est tout. David Fragile, donc ça c'est pour toi, je te laisse Beau. Ok. Vous deux. Bon, vous deux, je me permets de l'ouvrir quand même. Oui, bah oui. Vu que c'est nous deux. Ok, on a plein de petites cartes et des codes. Bon, je vais juste prendre les codes et vous les montrer. C'est des cartes de XY. Ouh, je sens le jeu de DS. Ah ouais. Waouh. Donc c'est Pokémon Donjon Mystère. Donc sur la DS. Donc je vais l'ouvrir pour vous montrer. Donc c'est Mystery Dungeon. Blue Rescue Team. Ouais. Alors, donc c'est la team de secours bleu de Donjon Mystère. Voilà, vachement sympa. Alors, c'est comment pixel art moi? Waouh, oh, il est trop beau. Oh, il est trop beau, tu vas le mettre dans la collection. Mais il y a marqué David en dessous. Trop stylé. Oh, trop stylé, t'as trop géré. Ah ouais, là, par contre, t'as géré. Toi, géré. Waouh. Au top, hein. Il est trop beau celui-là. Okay. Miss et David, et après, il écrit vous deux. Okay. Donc, on va découvrir le dernier. Hop. Donc le dernier, il s'agit de cartes de XY de point furieux. Primochoc. Voilà, point furieux, étincelle. Voilà, donc ça on va pas vous les montrer plus que ça. Ah, vous les connaissez, hein. Vous les connaissez. Donc les amis, cette fois-ci, elle ouvre tous vos colis, me semble. Oui, alors les colis surprises. Les colis surprises, voilà. Tous les colis surprises ont été ouverts et maintenant il nous reste un énorme sac de cadeaux. Donc là on va prendre un petit peu au hasard, on va essayer de montrer tous vos cadeaux. Donc on commence tout de suite. Bon, certains dessins se sont abîmés pendant le trajet, mais tous ceux qui étaient à Rencontre Abonnée savent que bah on était plus de 120-130. Wow. Et bah tous les cadeaux se mettaient dans un sac, là qui nous en mettaient là et là. Et du coup bah voilà. Donc on commence vraiment avec un sublime dessin. Magnifique, vraiment sublime. On parle tout le temps en même temps, Beau. Non mais là c'est... Ah, il est magnifique. Je tiens une carte, bébé tient un Montali. Ouais. Il y a un Deoxys, c'est un Dracolos. Ça c'est vraiment... C'est du talent. Ouais. Et d'ailleurs... Fitchel. Et d'ailleurs, c'est deux filles qui auront un stand à la Japan Expo. Ah, il y a leur petite carte aussi qu'on devrait retrouver là-dedans. Ça, je pense que j'irai faire un tour. Oh et oui, on ira faire un tour. Sont ces deux filles vraiment sympathiques. Alors moi, je viens d'ouvrir, donc je commence à ouvrir ceci. Et dedans, il y a deux petits bracelets. Ensuite, il y a des dessins. Donc, cahier de dessin pour Miss. Ok. Donc là, on a un sac. Ah, c'est un vrai cahier en plus. On a un sac. Alors, qu'est-ce qu'il contient? Je ne me rappelle même plus qu'on nous avait donné ça. Ok.
Alors j'enlève le petit scotch. What? On a un Arceus tout en argent. On a des Pokéballs. On a une figurine de Regigigas. Allez, on est pas le petit. Ah, il y a encore du scotch. Alors, est-ce que ça s'ouvre? Oh, il y a un Pachirizu dedans. Waouh, da fuck. Et là, on est notre petite Pokéball avec plein de petites figurines que je mettrai avec ma collection de mini-figurines que j'ai ouvert lors des petites Pokéballs avec des bonbons Pokémon dedans. Alors, voici les différents dessins. Donc, il y en a un, oui, il y en a deux. Toi. Merci, c'est gentil. Je vais t'ouvrir ça juste après. Ensuite, un Pikachu, juste là. Donc là, c'est Malissa Berti qui nous a offert une boîte deck platine. Je me souviens que c'était elle. Dracaufeu. Avec un booster Primo Choc. Et une échantillon. Petite Pokéball. Eh ben, ça fait beaucoup de boosters et chantillons et tout, hein. C'est un truc de fou. Alors il y a ça, alors ça je ne sais pas ce que c'est du tout, une espèce de truc carton, je sais pas, on va découvrir. Ok, okay. On nous a offert des 3 DVD, donc un film et des épisodes. On a été extrêmement gâtés, hein. Merci énormément. Wow. Oh bon, regarde. Oh, petit élevage de chocolat. Des chefs de Bruges. Oh, oh c'est mignon. Alors, à chaque fois que vous nous offrez du chocolat, nous on est des morphales de chocolat, on n'arrête pas d'en bouffer tout le temps. Alors, de mon côté, il y a une Pokébox Groudon et plein de choses dedans, je vais l'ouvrir. Tu veux manger, bah? Oh là. On les mangera peut-être après, cela. Mais en tout cas, c'est trop cool, donc c'est du chocolat. Alors, c'est Thomas qui nous a offert cette Pokébox et qui dit de la pour Miss Hirachi et David Lafarge. Oui, d'ailleurs, il y a aussi une petite fille qui m'a offert une rose, qui est d'ailleurs juste là, je peux pas vous la montrer parce qu'elle est dans son vase et tout ça. Mais merci beaucoup, c'était adorable, c'était la première fois qu'on m'offrait une rose. Ouais. Donc, c'était trop chou. Alors là, on a des chewing-gums Smile, ok, des chewing-gums, bon, ok. Moi j'ai déjà reçu des chewing-gums dans un courrier d'abonnés, bon. Comment ça sent trop bon? Tu vas les manger alors. Allez, de coups. Ah, mais ça sent trop bon. Deux petits trucs. Non, mais sentez-moi ça sans déconner. Ouais, les cartes qui sont tombées. Mon dieu. Tac, 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 tac. Allez, on est parti. Alors, il s'agit de crabes, il me semble, donc pour moi. Tac. Ok. On a rien vu, on a rien vu. Alors, il y a un Waps de Léviator. Ensuite, donc, Ramolos. Alors. Zerbi. Ok. Bekipan. Ok. Rouagada et Marill. Bon, on a un décélion ici, incroyable. Je n'ai rien oublié. Non, il me semble. Ok. Ok, très bien. Mais écoutez, là, on a pas mal de cartes du Block Wizard, des cartes pouf, il y a de tout. Alors, juste là, je vous montre. Voilà. À côté des cartes, donc un moitié Posipi, moitié Négapi, qui a été offert à ma maman. Donc ça, c'était vraiment adorable. C'est un ou une abonnée. Une abonnée qui a fait ce pixel art. Donc vu que ma maman adore Posipi et Négapi, qui lui a fait un pixel art moitié Posipi, moitié Négapi, ce qui lui a fait extrêmement plaisir. Donc merci beaucoup à toi, c'était vraiment très gentil. Donc là on a plein de petites cartes aussi. Bon, c'est sympa. Alors, moi je reprends un petit classeur. Donc ça je pense que c'est celui pour David. Ah, je vais pixel te le laisser. Art de Salamèche. Je vais te le laisser parce que c'est le même que moi, mais pour toi cette fois-ci. Donc okay. Je te le mets à côté de toi. On est reparti avec des classeurs, donc on va voir ça tout de suite. T'as déjà vu un Demeteros Nuolo de Point Furieux en vrai? Oui, c'est un Demeteros du deck, mon amour. Voilà. Okay. Donc alors, on est parti avec ce petit classeur, avec un petit mot au début. Coucou Miss, je voulais juste te dire que tu étais géniale, je t'adore, toi David et tes vidéos. D'ailleurs, hier, j'ai regardé la vidéo où vous vous expliquiez avec la légende que c'était trop drôle, comment il était et comment tu étais énervé. Merci. Cahier de dessin pour David. Donc on m'a fait un cahier de dessin. Voilà. De plus, c'est grâce à toi que j'ai eu envie de faire des vidéos sur YouTube et faire redécouvrir les Pokémon sur... merci. Voilà. Donc on est parti avec un carrément classeur de dessin. Donc je vais vous montrer ça en même temps que David. Donc on commence avec un Pikachu. Pour ma part, j'ai le droit à un Brouabam et un Décélion, il me semble. Ah, c'est son petit frère qui a fait les dessins. Ouais, moi aussi j'ai eu la même galère que toi, t'inquiète pas. Un Dracolos et Jirachi juste là. Tac. Ensuite nous continuons. Je prends un accent du sud pour tous les sudois. Sudois ça se dit ça. Donc d'autres petits dessins, je vous les montre. Oulala, ok. Il y a vraiment énormément de choses, c'est assez incroyable. Donc, en fait je découvre les cadeaux parce qu'il y en a que j'avais pas vu. Donc okay. Encore des dessins de son petit frère. Alors avec là on a des tonnes de boosters. Donc on a du booster Vigor Spectral, XY, et puis bah Vigor Spectral aussi, avec plein de petites cartes dedans. Ah, un petit booster ouvert étincelle pour ma part. Alors. On va découvrir ça. Ah, wow. Il y a plein de petites cartes des Zolo in Reverse.
plein de petites cartes de chaque extension du bloc ex, du diamant et perle. Alors pour ma part, il y a des cartes de suie, des rivers, donc je vous les montre un petit peu comme ça, un Pikachu aussi qui est très très joli, donc deux magnifiques cartes. Génial, en fait il faut faire le 1, 2, 3, 1, 2, et à chaque fois je tomberai sur une rivers et une magnifique holo. Donc un hippo-roi en ancienne trait, magnifique. Donc alors ensuite, sur le petit classeur, un magnifique Dracaufeu en, comment dire, jumbo. Alors, et derrière, des cartes ex. Ok, j'ai une river et une rare du bloc platine ou diamant et perle. Je ne sais plus, c'est diamant et perle. C'est diamant et perle, mais je ne sais pas quelle série. C'est vachement sympa ce petit truc, mais je fais pas l'un des 3 les amis, parce qu'on est en face, du coup ça servirait un peu à rien. Mais franchement, c'est très très bien. Donc merci beaucoup pour ton petit classeur, c'est vraiment adorable de ta part et je suis très contente de t'avoir redonné l'amour pour Pokémon. Ensuite nous avons une petite lettre pour les Jirachi de la part d'Alina, il me semble que c'est Alina, donc merci beaucoup. Et un Google, un ex de la Pokédex dans un booster, ouais. On va ouvrir ça. Ce qui est bien, c'est que ça a permis aux abonnés qui ne pouvaient pas forcément nous envoyer de courrier, de du coup nous donner leur cadeau en main propre. Et donc du coup je pense que c'était quand même logique qu'on fasse une vidéo vu qu'on fait des courriers d'abonnés à la base. Hein. Ah oui, oui. Voilà, donc alors un beau dessin pour Miss Jirachi, donc je vous le montre. Le voici. Ok, c'est le pétage des cartes dans ce booster. Une prime et plein de petites holo et reverse. C'est fou. Alors, il y a donc Jirachi et Brocélium qui sont en train de s'engueuler et de dire « Non, c'est moi le numéro 1 !» Alors Jirachi, tu es le 2 !» Et là, il y a écrit « I love you, je vous adore, c'est vraiment adorable, merci beaucoup à toi. » Il y a une petite lettre « Coucou Miss Jirachi, je t'admire vraiment beaucoup toi et David, j'adore ta chaîne et aussi j'aime beaucoup la chaîne de David, vous êtes de très grands youtubeurs, je ne peux pas vous arrêter, je ne peux pas vous arrêter de faire des vidéos, vous faites des vidéos super, continuez comme ça. Dans la lettre je n'ai pas mis de cartes parce que je les ai laissées chez moi, car c'est les vacances et comme j'habite à Nantes, je ne regarde pas la vidéo, je l'ai vue quand j'étais dans la voiture, alors désolé, il n'y a aucun souci. Et j'ai une question, pourquoi tu ne fais pas de vidéo sur les yeux des Pokémon? Je crois que c'est ça. Je t'ai fait un dessin, je ne sais pas si tu l'as aimé, dis-le moi dans la vidéo. Désolé s'il y a des fautes d'orthographe, il y a une vidéo que je voudrais que tu fasses, toi et David, je crois que c'est ça. Là on a un gros paquet de codes que je donnerai en mail parce que c'est trop gros. Et là on a un énorme paquet de cartes avec plein de cadeaux différents de chaque personne. Donc moi je me rappelle de ce cadeau là, c'était un enfant qui était venu me voir. Il m'a dit, tiens, Fulguris Full Art. C'était assez énorme, presque toute neuve, juste sublime. Et là, alors là, on a plein de cartes, dont des choses assez extraordinaires quand même. Ouais, ça a l'air très sympa. Hop, je mets ça là, je présente juste ça. Donc on a un... une carte à sauter, donc on a un Reshiram Poulart. Vas-y bébé. Un classeur, enfin un nouveau classeur. Mais j'ai racheté David Lafarge customisé, donc je vais vous montrer l'intérieur. Un Dracolos holographique. Voici l'intérieur du classeur, il est vraiment très joli, il y a plein de Pokémon différents. Oh, alors, c'est énorme. Ouais, c'est vraiment super. Avec, ah, donc c'est Malicia. Donc il y a, pour commencer, un d'Eden, il y a beaucoup Malicia. De dessins. Malicia, oui, bah sûrement, de toute façon des Malicia, il n'y en a pas 10 000, hein, tu sais. Malicia, c'est la seule et l'unique. Voilà, on continue. Donc je vous montre au fur et à mesure pendant que David... Alors là, on a une belle carte reverse du bloc X. Pas mal, pas mal, pas mal, très bien même. Alors là, on a du très 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 lourd. Et je n'arrive même pas à y croire en fait, c'est assez... C'est vrai. Ça c'est dingue. Ouais, elles ont l'air très très belles les cartes. Alors c'est un paquet de cartes du bloc X pratiquement quasi neuve. Waouh. De série semi-complète et tous triés par numéro. Oh c'est top ça. Hein. Ça c'est vraiment incroyable. Du coup c'est parti. Tout ça c'est du bloc X quasi neuf et de chaque série. Donc tout ça, ça ira dans mes classeurs si j'ai pas, et bien sûr dans ma réserve de cartes du bloc X. Et voilà pour les dessins de Malicia, donc c'était vraiment un petit classeur fermé avec les dessins à l'intérieur, c'est vraiment super super un sympa. Un petit Emolga Full Art. On compte nous. Un Dracolos de XY5. Oh, ça tombe vraiment. Ça tombe, il y a trop de choses sur la table. Bah oui, mais bon. Alors là, oh là 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 là, amazing, Dracaufeu, Exam Crystal, alors, je l'avais pas, parfait. Ça c'est un dessin de la part d'Andrea, donc il y a 10 ans, merci beaucoup Andrea pour ce Pachirizu, donc oh les shit. Qu'est-ce qu'il y a? Ouh. Ok, ok. Et moi on m'en a donné un de mes Gaillards de Warfula. Et moi aussi on m'en a donné un. On a eu chacun de mes Gaillards de Warfula. Il me semble... que celui-là était neuf, mais là il a quelques points blancs, il me semble que bah, moi là, le mien était pas, enfin il était presque neuf, il y avait quelques points blancs, donc c'est peut-être celui-là le mien. C'est peut-être celui-là le tien. C'est possible. Écoute, ouais. il est quasi neuf, ça me... J'aime pas trop toucher les poulards. Donc là on avait également quelques cartes reverse du bloc X. Oh, hashtag thug.
On est des thugs. Et oui, mais, oh, mais tout le monde, ils ont compris. Et oui, c'est pour moi en plus. Donc c'est toujours Andrea donc, qui m'a fait un dessin de Jirachi avec hashtag thug. Voilà, donc ceux qui comprennent, qui regardent les vidéos de David comprendront. Là, on a un dessin pour David de Deoxy. Oh, des fingers pupettes pour toi, à mon avis. Pour toi. Oh, elles sont belles. Oh, le lagrone, il est magnifique. Vas-y, fais i, bon, comme il ok, très bien. Un dessin de Jirachi juste là, donc de la part de Samy. Donc merci beaucoup à toi, Samy. On continue avec méga farampette pour Miss. Et alors, super sympa, il a carrément collé une carte de farampe avec le dessin de méga farampe. C'est vraiment super bien fait. Oh là là, c'était un terrain de jeu à peu près en paillettes. Voilà. Alors là, la Pokébox contenait une, des cartes, plein de cartes du bloc X. Méga Gardevoir et Tiplouf. Tac 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 tac. Et plein de cartes du bloc X, encore des reverse du bloc X, des rares du bloc X. C'est incroyable. C'est fou parce qu'en une rencontre abonnée. Ouvre le vide, je vais voir, voir toutes les cartes complètes quoi, c'est fou. Pour Miss Jirachi, la meilleure Poké YouTubeuse du monde de Angelina. Donc merci beaucoup Angelina. Je pense que vous pouvez voir par rapport à tous les tout ce qu'on a reçu, l'ampleur de la rencontre abonnée encore plus. C'était vraiment incroyable et tous les dessins en disent long, je pense. Ça quand même. Oh regardez, c'est mon méga garde-moi. Ça quand même, c'était. Oui, je crois que c'est. Ah non, ça c'est le mien. Ça, j'en suis sûre que c'est le mien parce qu'il y a dedans, il y a les pouces pour mes Jirachi. Oui, d'accord, d'accord. Très bien. Tu peux prendre les deux si tu veux. Méga garde-moi. C'est peu importe. Regardez-moi ça. Ah ça c'est magnifique. Bah c'est les deux filles qui ont un stand à la Japan Expo qui nous ont fait donc un le dessin qui était juste là et les deux autres qui sont là et qui sont magnifiques. Donc là, deux petits dessins pour moi, donc qui sont juste là. J'espère que vous les verrez bien, c'est pas facile à montrer. On avait une lettre dans un ruban avec un brocélum, donc pour Elodie. Et... Ah Elodie. Regarde. Entei, Latios, Obali, Dragmara, Insécateur et Liquide. Et un beau dessin de Dracolos. Anaïs, c'est Anaïs qui t'a offert ça. Merci beaucoup Anaïs. Alors là, j'ouvre une petite lettre avec écrit Miss dessus. What the fuck? Il y a un Jirachi dedans. Donc voici. Alors là David a une un livre que. Mission spéciale. Mais c'est pas les mêmes. Tu vois moi ce que je pense c'est qu'il est allé à la FNAC juste avant. Il nous a pris le petit livre. Mais attends, mais on va bien s'amuser. Sans déconner, on avait grave, c'est vachement dans un swap qu'on nous a offert à la rencontre abonnée que Miss a ouvert sur sa chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir. On a eu également la même chose, mais là c'est d'autres livres. Donc c'est des livres qui présentent des missions Pokémon. Donc, par exemple ici on a la mission Arceus. Alors Jimmy qui me dit que j'ai fait de très belles vidéos et qui m'a fait un dessin de Jirachi. Donc merci beaucoup Jimmy. Donc pour vous expliquer en fait il y a une liste de Pokémon en haut, il faut la rechercher là-dessus. C'est comme où est Charlie ou quoi que ce soit. C'est exactement ça. J'ouvre le petit courrier de Mathéo. Où est Charlie? Oui c'est ça, oui, c'est où est Charlie. Donc là c'est où est les Pokémon. Voilà. C'est où est les Pokémon. Il y a la recherche de Zoroark ici. Et retour à Johto. Et ce livre est simplement sublime. On a Lugia Ho-Oh et les trois chiens légendaires. Mais sont magnifiques. Ça fait vraiment penser au bon vieux temps. Ouais, c'est top. C'est juste magique ça. Alors, donc pour Miss, j'adore tes vidéos. Merci beaucoup. Continue comme ça, Mathéo. Et donc, Mathéo a décidé de m'offrir quelques cartes. Donc, je vous les montre. Les voici. Je reste là-dessus mais je vais changer. Ah c'est génial, mon flaf, faut trouver 7 Kéminus, 7 hérissants. Ah c'est mortel. J'adore ces bouquins. Ah c'est génial. Il faut des terres à le faire. Donc là, écoutez, on a un classeur rempli de cartes Pokémon. Ouh là là, donc un beau dessin de Dracaufeu. Voilà, j'ai pris la part de Mathéo encore. Ok. Donc là, un beau classeur. Un beau classeur rempli de cartes. Wow. Donc est-ce que c'est Philippe qui nous a offert un dessin vu qu'il a écrit Philippe? Oui c'est Philippe. Ou c'est Philippe qui nous a offert un dessin de Mega Absol. Très joli dessin. Donc merci là on a un classeur rempli de cartes, je vais pas plus montrer en détail mais c'est quand même assez fou. Tac. Ensuite okay, Samuel qui m'a offert un dessin de pour les Jirachi, un petit Jirachi vraiment trop mignon. Ça moi j'ai ouvert ma figurine. Ah moi je l'ai pas ouvert. C'est une figurine moi, de... Moi je veux garder scellé, c'est la mienne. Elle a pointé une figurine Giratina parce qu'à la rencontre abonnée, on a fait des ouvertures en direct. Moi j'ai ouvert quelques boosters et le booster de figurine. Donc Ectoplasma pour David LP de la part de Nexus Andrea, j'ai 10 ans. Ah oui, j'ai ouvert les trois autres. Il manquait celui-là. Alors là on a un classeur et à l'intérieur, enfin classeur, vous m'avez compris, à l'intérieur on a ça. Donc trop bien, regarde, il y a écrit Miss sur le collier. Ah tu sais pas ce que j'ai mis autour du cou?
Je sais pas, je suis pas sûre. Vous avez fait un chacun. Donc c'est un truc comme ça, il y a écrit Miss, c'est super sympa. Ah oui, c'est vrai. Oh, je sais pas où c'est, j'espère que c'est dans le sac. On m'a offert des médailles de ping-pong. Il y a Méga Gouplin et Méga Jirachi. Donc là, on a un Deoxys et un Jirachi. Sous chacun, il dit David Lafarge, mon youtubeur préféré, et Jirachi, ma youtubeuse préférée. Mmh. Voilà. Pour Miss, donc là, c'est des cartes que je vais découvrir tout de suite. Ok, pour David. Avec modèle. Oui, bah, il a peut-être utilisé un modèle. Et il de Samy. Il te l'a avoué, tu vois, j'ai utilisé un modèle, mais c'est normal. Merci Samy. Très bien, très bien. 90% des personnes utilisent un modèle, à mon avis. Alors, plein de cartes, en majorité reverse, donc ça fait super plaisir. Un Giovanni holographique. Ça, c'est ouf, ça. Waouh. Ah, c'est... Oui, j'ai ouvert ça. J'ai ouvert ce Gym Challenge. Ouais. Ensuite, donc là, oulala, regarde, Jiraxis, le mélange de... Mais attends, mais c'est trop bien. Le mélange de Jirachi et Deoxys, donc en haut de stade d'avant, vous pouvez voir une tête de Jirachi avec Deoxys, et là, un Jirachi Deoxys. Derrière, il y a une petite carte David et Miss, et là, non mais celle-ci, elle est trop forte, celle-ci. On a un Cresselia X ici, d'accord. Ok, c'est un truc de fou, c'est un donc, truc de David fou. Et Miss avec Love Poké, la passion est plus forte que tout, un duo qui vous met la pâtée. Allez, on continue. On a deux cartes holo et reverse du bloc X, c'est le lieu obscur et une herbe. Très bien. Une herbe sauvage. Très bien. Sauveuse. Ensuite, donc, il y a, waouh, un magnifique dessin. Ah, là, 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 là. Donc, je crois que c'est Metal Inkly. Regardez-moi ça. Un magnifique dessin extrêmement coloré avec un Jirachi, un Lugia. Regarde, beau, c'est toi et moi. Oh, mon Dieu. Beau, c'est toi et moi. Oh. Regarde comme on est beau. On est beau, hein. On dirait que je suis une fille aussi. Mais non, beau, tu es trop beau. Ok. Là, on a quatre cartes incroyables, reverse et holo du bloc X. C'est dingue. Ça, c'est où ça? Wow. Alors... Tiens, tu veux présenter ces cartes? C'est fou, c'est fou. Alors, ici, on a deux decks. Donc, c'est des decks Dracaufeu X et Y. Petit jeton. Et à l'intérieur, j'ai senti qu'il y avait quelque chose. Oh, un arco. Waouh, il est trop beau. Et oui. Attention, bon, ça va tomber. Oui. Donc là, il y a des cartes, de belles cartes, un petit Amphinobiex comme ça, il se baladait. J'ai un Shiny X sous là, moi de mon côté. Si. Oh, oh non, j'ai fait tomber les cartes. On a un Zekrom X. Alors, moi ok, si. J'ai trouvé ce que c'était. On a toute la collection de Legendary Trésor. Trésor. Waouh. Et là, on a plein de cartes. Plein de cartes de Legendary Trésor encore. Donc merci à cette la personne qui nous a offert tout ce bloc complet. Cartes du bloc X. Ah ça je pense que tu vas vouloir les découvrir. Donc c'est un paquet de cartes du bloc X. Bon donc je te les mets juste là. Je vais pas vous montrer les amis mais c'est pratiquement toute la collection de Legendary Trésor. Il y a énormément de cartes quoi. Il y a masse de cartes. Vous nous avez tous offert énormément. Cartes du bloc X. What? Tout ça? Bah, ah oui c'est pour ça. Alors pour David, un méga ectoplasma shiny, regarde comme il est beau. De ouais, Raphaël. Là c'est pas possible. Hein. Et un Caninos qui est juste là. Et David est choqué par les cartes du bloc X qu'on vient de lui offrir. Mais attends, je pense. Mais c'est une sortie de booster ça. What? En fait il t'a pas dit mais il a ouvert des boosters juste avant de venir à la rencontre abonnée. Deux trois petits boosters tempête de sable. Non c'est pas. Un dessin de Pikachu, donc pas de nom, mais ça merci sent beaucoup le à 9. Toi. Ça sent le 9 en fait. D'accord. Un Altaria, méga Altaria chromatique pour David. C'est magnifique. Tiens, beau, c'est pour toi, regarde. C'est magnifique, ouais. Joli, hein. C'est sublime. Méga Galam pour David. Je vous montre un petit peu les cartes devant lesquelles j'étais bouche bée. Donc là, on a une flopée de cartes reverse holo du bloc X. Et là, on enchaîne avec plein de cartes du bloc X de plein de séries. C'est assez ouf. Et les cartes, quand tu les touches, ça sent le neuf, en fait. C'est dingue. C'est dingue. Et bah, beau, là, c'est pour David, les deux. Donc, je te laisse les ouvrir. Et là, il y a pour Miss, non, pour donc, Miss. De Paul Matisse. Pour Miss. Ah, pour Miss, d'accord. Ah, mais il y a écrit pour David. Et là, il y a écrit pour Miss, ah bah donc oui, c'est pour nous deux. Pour Miss, donc alors, pour ma part, j'ai du Jirachi et j'ai du Dracolos. Moi, j'ai mes deux Pokémon préférés réunis, Deoxys et Ectoplasma. Et ensuite, donc il y en a un pour nous deux avec un Dracaufeu pour David et pour moi un Brocélum. Donc super joli ces dessins-là. Ils iront tous dans le ouais, je tombe sur ça. Regardez, un Liputo édition 1 de Néo. C'est fou. Donc là, on a une photo. Et je connais bien cet abonné.
qui est venu la rencontrer à Madrid, parce que c'est celui-là qui se levait toujours et qui criait les réponses. Oui. Donc bonjour David. Il ne faut pas faire, ce n'est pas bien. J'espère que ce cadeau te plaira. J'ai fait de mon mieux pour choisir les Pokémon, à part le Pikachu que j'ai fait moi-même. Et tu t'appelles Johan. Joël. Johan. Johan. Je pense que c'est ça. Mais on dit tout le temps les mêmes choses en même temps, c'est fou. Donc je vais quand même montrer sa photo. Non, je vais la laisser là-dessus. Donc voilà, tu te reconnaîtras. Comment on pourrait dire? Petit draco de Célia. Petit draco. Petit chenapan, voilà. Oh, style. Pour David, pour moi, le meilleur youtubeur au monde. Merci beaucoup, Amis ça fait super plasma. Plaisir. Tu te crois plus balasse que moi, hein? What? Un Jirachi. Juste là. Ah, il s'appelle Jao. Jao Pereira. Ensuite, c'est Jao. Un gobou que Célia nous a dédicacé. Alors, d'accord. Ah, un gobou et un gobou shiny. Donc là, en fait, on a un petit... Et donc, les amis, écoutez, on a eu un petit souci, mais c'est pas grave. Du coup, on continue avec un Fantominus. D'accord. Ah ben, il a pris des beaux dessins quand même. Juste pour vous montrer. Un mot. Voilà. Pour vous montrer un petit peu ce que c'était. Alors, donc, coucou Miss et David, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Il regarde la longueur de la lettre, il a peur. Non, mais en fait, il a écrit des résumés des livres, c'est pour ça. J'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Pour les cadeaux, je ne vous ai pas offert grand chose pour les cartes. J'ai fait de mon mieux, il y a beaucoup de cartes ex, certaines du bloc ex, qui appartiennent à mon frère. Pour les dessins, je trouve pas mal réussi, sauf pour certains. Je te top 5 de mes films Pokémon. Ah, je te mets un top 5 de mes films Pokémon préférés. Bah moi j'ai un emballage de cartes pour Madame V, mais il n'y a pas de carnet. C'est normal, il y avait la pixel art. Ah. Tu as montré le... Oui, alors ça, les médailles. Ça, c'est... Oui, les médailles, ils sont là, j'ai eu autour du cou. Et moi j'avais porté ce collier pendant toute la rencontre à Bonnie. Sympa, il y a les petites baies Pokémon, etc. C'est vraiment cool. Alors, un Lugia pour David, donc voici. Je pense que vous voyez bien. Et du coup, attention, un Deoxys pour David. Alors, on a un dessin de Angelina qui dit « Pour David Lafarge Pokémon, le meilleur Poké-Youtubeur du monde. » Pour David Lafarge Pokémon, ouvre-le vite ce dessin. Mais voilà, j'ai ouvert vite. Hein. Ah oui, moi aussi j'ai ouvert vite le mien tout à l'heure. Tada. Alors là, il y avait un booster avec à l'intérieur un Kyogre X. Donc c'est assez impressionnant. Il y avait une petite lettre là que j'ai pas vue. Bon, on va l'ouvrir quand même. Il y a des belles rares aussi, des belles rivers et des belles zolos. Donc on est très 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 gâtés. On vous remercie encore de tout cœur. C'est vraiment un truc de malade. C'est un truc de malade. Surtout le nombre que vous étiez, c'était impressionnant quand même. Ça, c'était aussi... On continue. Alors, il y a encore une petite lettre toute bleue. Ah, génial. Plein de petites cartes du Blokex. Oh, trop sympa. Plein de reverse du Blokex. Alors là, c'est une espèce de bracelet avec une Pokéball. Vachement sympa. Regarde, c'est mignon. C'est Pikachu. Ouais, c'est Pikachu. Bah oui. Et regarde, une Pikachu Pokéball. Une Ball Pikachu. Stylé. Pour David Lafarge Pokémon de Gauthier. Merci Gauthier. Ex Deoxys. Ah, tu tapes dans le mille. Tadam. Oh, wow, wow. Alors, okay, donc là, j'ouvre la petite lettre. Pour pouvoir vous la lire. Pour David de Deoxys de Samuel. Merci Samuel. Salut mes Jirachi et David, je vous suis depuis longtemps. Vos vidéos m'ont fait ressortir mes cartes Pokémon. Continuez comme ça, merci à vous et à vos vidéos. Et il s'agit de... Je ne sais pas qui. Eh bien, merci beaucoup à toi, je ne sais pas qui. On a encore un paquet de codes online, tout neuf pas non utilisé. Écoutez, je vous donnerai ça en mail. Ensuite, là, on a une Pokéball extrêmement bien réussie, je trouve, en pixel art, vraiment magnifique. Ah, de Ray, mon dieu. Elle est belle, hein. Wow. Ah, il est vachement beau. En fait, au début, je vois ça. Je vois ça, après je retourne, je vois ça. What? Merci Ray, merci beaucoup. Un dessin de Deoxys pour David. Tiens, bossez pour toi. Voilà, on a un feutre et un crayon. C'était... Ah non, non, ça c'est ceux de la rencontre abonnée. Ça c'est la maman d'un abonné qui me l'a donné pour signer les autographes, il me semble. Oui. On a les mêmes. C'est celui-là normalement que tu nous as acheté. Ouais. Ensuite, là, on a un dessin de Jirachi et ici un dessin de Pikachu que je vais vous montrer. Pikachu. Voilà. Oh, j'ai oublié ça aussi. De la part de Malicia qui m'offre une lettre. Ok, bon bah très bien Malicia, écoute, je vais ouvrir ta lettre. Alors, on est parti avec ici un dessin. Il est très petit. Je crois que c'est Fleurgès. C'est Fleurgès, il me semble. Fleurgès. Et ici, il y a des dessins. Alors, je ne sais pas trop ce que c'est. On dirait une sorte de BD. Donc, je vous montre. Peut-être que vous comprendrez. Malicia qui nous a offert quelques boosters. Du coup, on a un booster échantillon XY de base.
Ah, on ça a... c'est un déoxys, ça. Nouille. Et on a des boosters Primo Choc et XY de base que je vais ouvrir tout de suite, de Malicia. Là, on a un petit tour David Lapage et Mesirachi, donc une petite lettre. Alors, tout de suite. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a une Reverse in Bell rare, on a une Rhinastock en rare. Donc ce sont des boosters recollés, hein. Ce ne sont pas des boosters scellés, sinon je l'aurais fait devant la caméra. Alors, donc, merci Malicia. Waouh, ouh là là. Oh. Alors, bonjour David et Miss, on est fan de vos vidéos, c'est donc pour ça qu'on vous offre un booster fait main, Cracknell Shiny, même s'il est vert, booster à ouvrir, faire un mais c'est génial. Notre chaîne, The Electrapoc. The Electrapoc, d'accord, mais n'hésitez pas à aller voir leur chaîne, hein. Donc, voici à quoi ça ressemble. Oh, et donc, génial, leur petit dessin. Ah ouais, c'est vraiment ça. Et un sarro sans rare dans XY de base. Très bien, très bien, ok. Donc, je vais ouvrir, je vais essayer de prendre le booster, bon, c'est assez difficile, il y a beaucoup de scotch. Voilà. Voilà, je fais ce que je peux tant que c'est pas déchiré. Du coup, regardez ce qu'ils avaient fait là. C'est, comment il s'appelle celui j'ai bah, ici, il y a écrit. Non mais le journaliste. Ah, Jean-Pierre Farnot. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2. Attention, attention. Nous avons un Narco, Zigzaton, Tentacle, Fougleur, Gobou, Tarinor, Hippopotas, un Cracknoir et un Charmina en rare. Voilà, donc je vous montre la rare et la reverse qui sont pour moi les deux plus belles cartes. Alors là on a un cadeau de malade mental, on a un Kyurem X, un roux carnage holographique de expédition, sublime, un méga kangourou XX et un Victini en rare de frontières franchies. Là il y a un booster avec écrit pour David. Et moi j'ai un booster pour vous deux et un booster qui devrait pour toi. Pour on sait pas. Voilà. Donc on va ouvrir ça et dans ce booster il y a des cartes de poids furieux, une petite holo de XY le base. Là moi j'ai une holo pop 9 en français. Alors moi j'ai un beau Dracofeu en reverse. Plein de petites cartes du bloc X et de diamants éperlés. Des holo, des reverse, c'est vraiment un super paquet de cartes. Donc au top. Ah, une petite figurine. Donc un pot de Scarfenec avec un Smogo de l'expédition. Et une petite figurine de Deoxys. De Deoxys. C'est chrome. C'est parce que tu viens de dire Deoxys, je pense que... Il n'y a pas de souci. Du coup, alors, j'ai bugué. Pour David, j'adore tes vidéos. Merci beaucoup, continue comme ça. Mathéo, bisous. Pour Miss. Ok. Oui, moi j'ai ouvert le mien tout à l'heure. Avec une petite trousse comme ça. Oui, comme ça, une petite trousse pareille. Je t'ai pas vu, d'accord. Okay, très bien. Alors, moi j'ouvre mon booster. Pour David, Mathéo. Bah Mathéo, franchement, tu dessines super bien. Waouh. Nous finissons avec un trioxydre qui est juste là en holographique. Donc on a une petite lettre. Et il y a des petites cartes du Bloc X aussi. Donc merci beaucoup pour ce paquet de cartes. C'est vraiment sympa. C'est la lettre de Mathéo. Mathéo, si tu passes par là, plein de bisous. Merci d'être venu. Merci. Je sais que tu vas regarder la vidéo. Là, je te vois. Là, t'es content. Hein, ça va? Alors, sinon, on a plein de cartes de partout. Donc on va vous montrer un petit peu ce qu'on a eu. Donc par exemple, là, on a un superbe Cacné en reverse. De Ex Emerald, vraiment magnifique, ça David il va le mettre dans sa collection tout de suite. Ouais. Ici le Cacnea. Oh, un Cacnea de Ex Emerald. Il est magnifique. Alors là on a des petits codes, on a... Donc voilà, là en fait on a... surtout des cartes. On a la fin du sac, il y a plein de petites cartes qui traînent. Donc je vais essayer de tout vous montrer, mais c'est un petit peu tout mélangé, donc désolé pour tous ceux... Bah en fait il y en a qui nous ont donné des paquets de cartes directement cartes et bah, on pouvait pas... voilà, on était obligé de... Allez, un magnésé holographique, j'ai jamais vu de ma vie. Il est magnifique je trouve. What? Il est beau, hein? T'as vu, j'ai jamais vu. Alors. Je découvre. Ok, donc plein de cartes. Plein de cartes du Bloc X. C'est incroyable. Merci beaucoup. C'est fou, c'est fou. Donc là, on a plein de codes online, des rares, de tout. Un petit code online pour le plaisir. Voici pour vous. Tiens, bébé. Ainsi qu'un petit bracelet. De la part de Malicia pour David et Mise en petit boost. Merci. Malicia. Hop. Oh, et dedans il y a une petite high-tech. Donc filet entre-avant en high-tech. Ici on a une holographique de Ex-Gardien du pouvoir qui est pratiquement neuve. Magnifique. Alors, sublime. Je vais essayer de finir. Ah regardez un petit mot là. Veuillez trouver 6 joints. Le truc qui a rien à voir. Okay. On a plein de cartes. On a un Darkrai Niveau X. Bah c'est vraiment un truc de Darkrai Niveau X, voilà. Je suis fini à un Lapsol en rare du Bloc X. Un autre paquet de code online encore. Des petites cartes, encore plein de petites cartes, un paquet de l'eau, des cartes du Bloc X. On finit avec un booster, prends-le. Et David, mais je l'ouvre. Vas-y, vas-y, ouvre-le ma chérie. Et également, on a plein de cartes holographiques dans un petit protège-carte de... Waouh, regarde la dernière carte. Pas mal, regarde ce qu'on a.
C'est joli, c'est quelqu'un qui est ouvert... Ouais, les trucs Les trailer box. Il est trailer box, t'inquiète. J'ai du mal, hein. Un Vasilis en reverse. Alors là, on a un Macronium de Neo. Donc ça, c'était le dos des cartes japonaises Block Wizard, le bon vieux temps. Ouais, également pour eux, je pense que plein de japonais doivent se dire ça. On a deux reverse et on a deux magnifiques cartes du Block X, dont une rare Morpheo Soleil. Voilà, donc il me semble qu'on a tout montré. Bah, ouais, on a tout montré. À part ce petit pix de Pixiclac. Voilà. C'est un pix. Ce petit, je sais plus comment ça s'appelle. Oh, il y a tellement de trucs. Il me semble qu'on a tout montré, les amis. On a vraiment fait de notre mieux. On sait que c'était rapide. On sait qu'on a certaines cartes qu'on n'a pas pu montrer. Mais si on faisait tout vraiment dans chaque détail de la vidéo, on aurait 3-4 heures. 2h56. Voilà. Ça n'aurait pas été possible. Du coup, on a voulu vraiment marquer le coup. Tout montrer, faire honneur à chaque cadeau. Désolé pour les cadeaux qui ont été mélangés. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez été contents qu'on fasse tout ça. Voilà. C'est vraiment pour vous faire plaisir qu'on a vraiment ouvert tout ça. Nous, de notre côté, on va mettre tout ça dans une vitrine, dans les classeurs à dessin, trier, etc. Gros rangement parce que là, il y en a partout. En tout cas, merci du fond du cœur. Merci beaucoup à tous. Pour toutes les personnes qui sont venues, de nous avoir offert des cadeaux, de nous avoir transmis votre amour et votre passion pour les cartes. Et bah, comme nous, on vous l'a transmis. Et voilà. Et donc, du coup, on va passer au selfie. Voilà, on va bientôt... Bah, on va passer au selfie. Donc, les amis, on vous fait... plein de bisous, encore merci aux 130-140 personnes qui étaient là. Et d'ailleurs, si vous voulez aller voir une vidéo des images, vous pouvez aller voir ma vidéo de rencontre abonnée. Voilà, il y a une rencontre abonnée de Nice qui fait comme qui ça, vous pouvez les voir un petit peu comment ça se passe une rencontre abonnée en général. Donc là-dessus, les amis, plein de bisous, portez-vous bien et à tout de suite pour le selfie. Bye bye.